Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo du blog Corps et Esprit Martial. Une vidéo, voilà, juste pour vous souhaiter la bonne année, pour vous remercier. Vous remercier de nous suivre toujours de plus en plus nombreux, de partager notre travail, ça fait plaisir. Également, pour vous souhaiter plein de bonnes choses, que ce soit dans le sport, que ce soit dans vos objectifs personnels. Voilà, j'avais vraiment envie de vous remercier et Anne aussi, même si elle peut pas être sur la vidéo. Ensuite, je voulais également vous remercier pour quelque chose qui me touche personnellement. C'est que grâce à vous, grâce à l'énergie, la motivation que vous me donnez, eh bien, j'ai passé deux diplômes l'année dernière, diplôme de coach mental et diplôme de coach physique. Alors, coach physique, il n'est pas reconnu en France, mais c'est quand même fait avec des grands noms comme Didier Reiss et Jérôme Huon, donc ça m'a énormément apporté. Voilà, et ça, c'est parce que ben, vous nous poussez régulièrement, vous nous poussez au quotidien, et c'est ça qui fait qu'on va continuer à se former, à se renseigner. D'ailleurs, à ce titre, je passe deux autres formations, diététicien du sport et coach sportif spécialisé dans les sports de combat. Donc voilà, merci encore pour ça. Et pour vous remercier d'ailleurs sur ce point-là, on va vous faire un nouveau cadeau. On avait fait voilà, le livre sur la souplesse. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le télécharger juste en dessous, n'hésitez pas. C'est gratuit, vous pouvez le prendre. Et on va vous faire un autre cadeau. C'est, je suis en train de mettre au point un tableur Excel pour calculer les calories que vous mangez par jour, et avec, on va vous faire une petite vidéo pour que vous sachiez combien de calories il vous faut selon vos besoins, etc. Et de cette façon, ben, vous pourrez déjà commencer à faire vos propres calculs et préparer vos repas selon vos besoins. Ensuite, j'avais envie de parler un peu des objectifs de l'année prochaine qu'on s'est fixé. On s'est fixé pour premier objectif de réussir à faire plus de vidéos et plus de podcasts. Alors les podcasts, ça arrive notamment avec les interviews. On a des interviews de spécialistes comme des champions du monde de karaté, champions d'Europe de judo. Donc voilà, faut vraiment pas hésiter à poser la question. On a aussi un expert en arts martiaux français. Et enfin un arts martiaux historique français qui va être interviewé. Donc posez-nous vos questions dessous la vidéo si vous avez des questions que vous voulez qu'on leur fasse remonter. Il ne faut pas hésiter. Et de même, si vous avez des personnes qui pourraient être intéressées pour être interviewées, il ne faut pas hésiter à, voilà, à leur faire passer cette vidéo, à leur dire de nous contacter via le blog. Il n'y a aucun problème. Et deuxième chose, on va essayer de faire... Un petit défi qui est fou, on nous a challengé, on va essayer de le relever, c'est le défi 30 jours 30 vidéos. Et pour ça, on a besoin de vous, on a besoin de vous pour nous motiver, parce que c'est un défi qui est complexe, et on a également besoin de vous pour avoir des idées. N'hésitez pas à nous poser des questions, à nous faire des remarques, pour que nous, on ait toujours en matière à faire. Alors, bah, comme aujourd'hui, ce sera des vidéos parfois de bien moindre qualité, hein, voilà, on va pas sortir tout le matériel tout le temps, on n'a pas le temps. Le but du jeu, c'est de tourner la vidéo au jour le jour, au maximum en tourner 3 d'un coup. Donc voilà, c'est quand même d'avoir un travail quotidien. Et parfois, bah, les vidéos seront tournées au téléphone portable. Mais l'idée, c'est quand même de vous faire un contenu à chaque fois intéressant et qui puisse vous apporter quelque chose. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, je vous souhaite une très bonne année 2020. N'hésitez pas à nous dire en dessous quels sont vos objectifs de l'année, que ce soit pour les arts martiaux ou les objectifs personnels, et à marquer toutes vos remarques. Tchou bye !